les frérots, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo autre que les vidéos Corona Tour que je peux proposer dernièrement sur ma chaîne. Donc ça fait du bien de vous retrouver d'une manière un petit peu différente, au soleil et puis surtout en plein air. Alors cette vidéo, elle est particulière parce qu'en fait, j'ai décidé durant cette vidéo de vous proposer une présentation d'une partie, alors je dis bien une partie, c'est une petite partie de la nouvelle bagagerie de chez Corda. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que je vous fais ce type de vidéo. Tout simplement parce que pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, vous savez très bien que je suis un amoureux inconditionnel de la bagagerie de chez Tracker. Preuve en est, c'est que j'ai toujours utilisé mon bon vieux rucksack de chez Tracker qui est ici. Et puis lorsque j'ai vu que Corda se lançait dans cette nouvelle aventure au niveau de la bagagerie, je me suis dit, Lou, il faut que tu testes au moins une petite partie pour te faire fais-toi ta propre idée sur le matériel et après tu pourras juger à savoir si tu restes fidèle à Tracker ou si tu t'orientes un petit peu quand même sur de la bagagerie Corda. Alors afin de me donner un aperçu un petit peu global de tout ce que peut proposer la nouvelle bagagerie de chez Corda, je me suis dit il faut quand même que je fasse l'acquisition de 3 produits relativement différents, mais des produits qui vont me servir. Ça sert à rien que j'achète des choses que je vais pas forcément tester dans toutes les conditions. Donc j'ai décidé d'acquérir un carryall, donc ici c'est le modèle large. Ensuite j'ai un sac isotherme, ça c'est vraiment le top. Et puis bien sûr on retrouve un rucksack. Le rucksack avec le tonton qui est ici et qui m'a permis un petit peu de faire la différence. Donc comme je vous le disais, j'ai toujours utilisé le rucksack de chez Tracker. Ici c'est le modèle 90 litres. À savoir que là vous voyez il est vide et en fait ça m'a permis de voir déjà tout ce que je pouvais mettre dans le rucksack de chez Corda par rapport à tout ce que je pouvais emmener dans mon rucksack de chez Tracker. Et à ma grande surprise, j'ai vraiment été surpris de tout ce que j'ai pu mettre dans ce sac. Donc je vais vous faire un petit peu un état des lieux et vous présenter un petit peu le sac en lui-même et tout ce que j'ai pu mettre dedans. Et ça va vous permettre de voir tous les rangements qui sont présents sur ce sac et la capacité de rangement qui est vraiment ultra conséquente sur un sac qui pourtant semble relativement petit. Alors déjà, ce qu'il faut savoir les gars, c'est que l'ensemble de la bagagerie, ça utilise le même tissu. Donc en fait dans le descriptif, lorsque vous l'achetez, vous recevez un petit papier comme celui-ci, ok, et qui vous explique un petit peu toutes les caractéristiques des sacs, en fait en quoi est-ce qu'ils sont faits et toutes les propriétés que possède le tissu. Alors pour faire un petit résumé, c'est du tissu de qualité militaire. Donc moi qui suis pompier de Paris, je sais ce que ça vaut la qualité militaire. Je peux vous dire que ça c'est ultra résistant. Et ils disent également que donc l'ensemble de la bagagerie, c'est un tissu qui est ultra résistant et imperméable. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant, je pense pour la plupart d'entre nous, parce qu'on a souvent tendance à mettre nos sacs un petit peu partout, aussi bien par beau temps que par mauvais temps. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, comme moi, l'utilisent dans des bateaux pneumatiques. Donc souvent, il y a toujours un petit peu d'eau qui traîne au fond des bateaux. Et vous allez voir que c'est vraiment conçu spécialement pour ça. Également, sur ce sac et sur l'ensemble des sacs que je vais vous présenter, vous allez avoir des poignées de transport. Ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est des poignées de transport qui sont vraiment renforcées. Ça, il le précise également dans le petit prospectus. Et on sent, c'est des poignées qui sont hyper costauds. Et vous pouvez vraiment les prendre à deux mains. Et c'est vrai que pour aussi bien pour le chargement que pour déplacer les sacs, c'est relativement intéressant. Voilà, donc les gars, pour ce qui est de la poche, on va dire, centrale, dedans, en fait, j'y ai mis mon système de PVA. Ok, donc là, j'ai le petit modèle et le grand modèle. J'y ai mes écureuils, donc là, c'est les stos. Et j'ai ma tackle safe. Donc là j'ai tout mon petit matériel qui rentre parfaitement dedans. Et puis bien sûr
l'incontournable pour Loupé Scadou, vous commencez à me connaître. L'étui à cigare. Ça, les frérots, hein, vous le savez maintenant. Donc, vous avez quand même un rangement qui est assez conséquent, vous voyez. Juste de quoi y mettre ce que je viens de vous dire. Et j'ai encore de la place. J'ai encore de la place. Voilà, ça c'est pour ma poche centrale. Sur la petite poche du dessus, juste ici, là j'y ai simplement mis, j'ai mon petit couteau, j'ai mon système d'attache pour mes slings avec la ficelle et les petits mousquetons. Et puis j'ai mon système qui me permet d'utiliser la pesée pour les poissons. Comme ça j'ai tout ici. Et ça, je suis sûr de ne pas le perdre. Et surtout, hop, c'est toujours à portée de main. J'ai pas besoin de chercher ça au fond du sac. Pour ce qui est des poches sur le côté, alors, pour la petite poche à gauche, c'est parfait pour y mettre mon crochat. Ça, c'est nickel. Ça rentre parfaitement dedans. Hop, on a l'impression que c'est fait pour. Et juste en dessous, là, vous avez une poche qui est un petit peu plus conséquente que celle juste au-dessus. Et là en fait j'y ai simplement mis mes sardines pour mon biwi. J'ai ma petite lampe frontale, le petit rouleau de scotch ultra résistant parce que ça peut toujours servir, et puis la petite bombe d'anti-moustique parce que en ce moment c'est quand même relativement pas mal, je trouve. Alors pour la partie droite, dans la petite poche, j'ai décidé d'y loger simplement deux boîtes. En fait, c'est tous mes appâts plastiques. Voilà, tout rentre là-dedans. Ça, je l'ai toujours là. Et puis, j'y ai mis ma petite shot safe. Donc là, c'est tous mes petits shot rings qui sont ici. Voilà, je sais que tout est là-dedans. Ça rentre pareil parfaitement dedans. Je peux mettre mes deux boîtes. J'ai même pas besoin de forcer. Vous mettez ça dedans, vous refermez les zips et ça rentre impeccablement. Pour la poche qui est juste en dessous, ici, j'y ai donc, alors c'est des recharges pour le système soluble. Ici, j'ai des petites mousses PVA à mettre sur mon hameçon. Et puis, une cordelette avec un mousqueton qui me servent en fait à étendre des choses si j'ai besoin de faire sécher des vêtements, enfin etc. au bord de l'eau. Voilà, je sais que c'est ici. Hop, et c'est pareil, je dispose encore de beaucoup de place, c'est même pas rempli. Et donc ça, vous voyez, ça c'est simplement les poches qui sont autour du sac. Donc déjà, un système de rangement qui est quand même relativement conséquent. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'intérieur du sac, de tout ce que j'ai pu y mettre. Et vous allez voir que c'est encore une fois impressionnant tout ce que j'arrive à rentrer dedans. Alors dès que vous l'ouvrez, vous voyez qu'il y a encore une autre poche à l'intérieur. Alors ici, j'ai pu y mettre mon petit tripod qui me sert à faire mes lives avec mon téléphone. Donc ça, c'est super utile pour moi. Donc là, je peux le mettre dedans. Et puis, j'y ai ajouté ma lampe, donc ça c'est ma petite lampe qui me sert dans mon biwi. Ça c'est pareil, c'est super pratique et je sais que c'est dedans et en plus c'est protégé, ça ne prend pas l'eau, donc j'aurai aucun souci avec de l'électronique. Et alors pour ce qui est de l'intérieur du sac, c'est très simple pour moi. J'ai simplement voulu prendre le strict nécessaire, puisqu'en fait le problème avec un sac plus grand, c'est que j'avais tendance à en mettre plein, parce qu'en fait le problème c'est qu'avec un sac de plus grosse contenance, j'avais tendance à emmagasiner beaucoup de choses, simplement parce que je me disais au moins prends ça, au moins si jamais t'as un souci, c'est toujours ici, tu l'auras avec toi dans ton sac, etc. Sauf que de raisonner comme ça, vous embarquez quasiment votre maison à chaque fois, quoi. Donc là j'ai décidé de prendre ma boîte qui me sert à mettre Spod, j'ai mes marqueurs, tout ce qui est un petit peu fragile, c'est dans ma boîte résistante et je sais que c'est dedans. Ensuite, je vais avoir ma housse où j'ai tous mes plombs, donc j'ai des plombs de différents grammages.
je vais avoir ma fronde. Alors ça, c'est super important pour moi, je m'en sers vraiment souvent sur pas mal de mes pêches. Et puis je vais avoir ma seconde boîte en complément de ma tackle safe qui était juste devant. Ici je vais avoir en fait tous mes hameçons. Donc là j'ai mes curveshank, j'ai mes white gepix, j'ai mes crank, j'ai tout ce qu'il faut ici. Donc j'ai tous mes hameçons, j'ai quelques badlines qui sont déjà prémontées, j'ai mes bobines de fil, donc là j'ai mes bobines en IQ, j'ai mes bobines en boom, j'ai tout, j'ai mon câble pour si jamais je dois utiliser du 8 corps. Voilà, je vais retrouver tout, mes tresses, etc. Mon bait floss, pareil. Voilà, je retrouve tout ici. Et au moins, je sais que si je cherche quelque chose pour refaire un montage, ça se trouve ici. Ensuite, j'ai décidé de mettre ma petite table qui me sert à aussi bien manger, faire du café, refaire des montages, etc. Ça rentre nickel dedans. Voilà, ça se met juste sur la partie dorsale. Et puis la dernière chose que je vais avoir au fond de mon sac, c'est simplement ma petite bouilloire. Ça, c'est l'incontournable aussi pour moi. Je ne veux pas partir à la pêche si je ne peux pas faire un petit café ou un petit thé. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans mon sac. Je vais tout remettre en place. Vous allez voir, c'est vraiment hyper rapide. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, il me reste encore de la place pour rajouter au moins encore une boîte. Ensuite, vous avez juste à refermer. Vous voyez, ça se ferme vraiment hyper facilement. Voilà, votre sac, il est fermé. Vous avez, comme je vous l'ai dit, vos deux petites poignées de portage. Derrière, c'est pareil. Vous avez deux sangles dorsales, ok. Il n'y a pas de sangle ventrale, c'est uniquement dorsale. Avec bien sûr la petite attache pour la remettre au niveau des pectoraux, voilà. Et dès que vous l'avez sur le dos, c'est vraiment très très confortable. Vous avez les petites mousses qui sont situées sur toute la partie dorsale. Et bien sûr, les systèmes de réglage qui sont bien évidemment adaptable à toutes les morphologies. Alors pour ce test, ben pour être très honnête avec vous, voilà, tout ce que j'avais mis dans mon sac tracker, c'est rentré dans le rucksack de chez Corda. Donc je suis quand même relativement surpris parce que, enfin, vous le voyez très bien, l'un à côté de l'autre, il y a quand même une sacrée différence de taille. Les seules choses que je n'ai pas remises dedans, pour être très honnête avec vous, ici j'avais une boîte où je mettais mes trois bobines de tresse qui me servaient en fait à changer si je voulais utiliser de la tresse ou du nylon. Mais sincèrement, je peux le mettre, comme vous l'avez vu, j'ai encore de la place, je peux très bien remettre mes trois bobines supplémentaires dedans. C'est simplement un souhait personnel, c'est que cette année je me suis aperçu que je les emmenais à chaque fois et finalement je m'en sers que très très peu. Parce que bien souvent, lorsque je décide de pêcher en tresse ou en nylon, je le sais dès le départ. Et en fait, je prends mes cannes lors de mon départ. C'est très rare que je change de bobine de fil durant ma session de pêche. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne l'ai pas remis dedans. Et la deuxième chose que je n'ai pas remis, c'était ici. J'avais une grande poche latérale sur le sac tracker. Ici, je mettais deux pics. Deux pics qui me servaient à mettre mes slings. Ces pics, je ne peux pas les mettre sur ce sac là, mais en fait dorénavant je les ai en fait à demeure dans mon tapis de réception. Donc voilà pourquoi est-ce que je les ai pas remis dans mon sac. Donc ça me fait mal au cœur, les frérots, mais je vais dire au revoir à mon bon vieux sac tracker. Voilà, je vais aller le déposer un petit peu plus loin. Et puis je vais devoir, voilà, je dois faire un petit salut au nouveau venu parce que là, j'avoue que je gagne en place, il est beaucoup plus petit. Dans ma voiture, je gagne énormément de place et on sait tous que la place, eh ben, c'est quelque chose qu'il faut rechercher lorsqu'on part en session. Donc
le rucksack, je le valide. C'est bon, toi, je te valide. Alors le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est le sac isotherme compact. Alors ça, c'est quelque chose en fait que je cherchais depuis pas mal de temps. Ça a été un de mes problèmes durant le road trip que j'ai fait pour le Corona Tour. C'est que j'avais besoin de souvent garder de la bouffe au frais, enfin toute ma nourriture, c'était relativement galère. Donc avec mon ami Ronan, on faisait les courses quasiment, allez, on va dire tous les jours ou tous les deux jours, de manière à pas avoir de nourriture en fait qui se perde. Là, avec ce sac, j'ai enfin, je pense, réussi à trouver un truc qui va me plaire. Alors, le sac, il se présente de manière très simple. C'est un sac classique auquel ils ont ajouté simplement une petite poche sur le devant. Alors, cette poche sur le devant, moi, j'y ai mis en fait mon huile d'olive, un petit peu de citron pour les repas, les frérots, ça c'est la base, pour faire des petits filets de bar sur le bord de l'eau. Voilà, j'en dis pas plus. Et puis là, voilà, je vais retrouver un bon couteau, quelques petites spatules, et puis bien sûr mes couverts. Donc ça rentre facilement sur la poche du devant. Je peux encore en mettre, je pense que je vais rajouter une petite persillade, histoire de me faire des petites viandes superbes. Et puis ensuite, donc, on a le sac en lui-même. Alors, le sac, nickel, franchement. Là, vous pouvez y mettre vraiment beaucoup de choses. Et vous allez voir, moi, je l'ai vraiment optimisé. Alors, dans ce sac, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, il est complètement isotherme. Et ce qui est super, c'est qu'en fait, il est livré avec deux pains de glace directement. Donc, c'est les deux pains de glace qui sont ici. Et ça, vous pouvez les mettre en fait où vous voulez. Vous avez un système d'attache qui vous permet de les disposer où vous le souhaitez. Donc ça, c'est vendu avec. Et ça vous permet vraiment de garder votre nourriture vraiment fraîche, super fraîche. Ou alors, si vous ne voulez pas l'utiliser pour la nourriture, vous pouvez très bien l'utiliser pour les appâts. Les personnes qui pêchent avec des appâts frais, qui ont besoin souvent de congeler à leur bille pour pas que ça périme durant une session relativement longue, et ben vous pouvez très bien mettre vos appâts congelés dans ce sac, les pains de glace, vous refermez et vous êtes tranquille pendant la durée de votre session. Donc c'est pour ça que c'est utilisable aussi bien pour notre nourriture que pour la nourriture des poissons si vous utilisez des graines congelées ou des bouillettes congelées. Moi, ce sac, il va me servir vraiment essentiellement pour ma nourriture. Alors, qu'est-ce que j'y ai mis dedans? En fait, j'y ai mis mon petit toaster qui me permet de faire des bons croque-monsieur au bord de l'eau. Ça, c'est important. J'y ai mis ma petite poêle pour faire les œufs et le bacon le matin. Ça, c'est la base. Bien sûr, je vais avoir ma bouteille de gaz avec mon petit réchaud, la tasse de café, toujours une deuxième si un copain vient nous voir ou si une demoiselle souhaite prendre un petit café, on ne sait jamais. Et puis ensuite, je vais avoir vraiment toute la nourriture que je peux utiliser sur une session de 48 heures ou 72 heures. Donc je vais avoir des pâtes, là ici j'ai du riz. Donc là j'ai quand même pu mettre 6 paquets de riz. Donc vous voyez, on peut quand même en stocker. J'ai mon café, donc j'ai du café normal et du décaféiné, du beurre de cacahuète, ça pour le matin, le petit plaisir. Et puis là je vais avoir différentes sauces. Alors c'est des sauces basilic, bolognaise, voilà, qui va me permettre de faire plein de choses au bord de l'eau. Donc tout ça, ça rentre dedans vraiment facilement. Vous voyez, je range. En 2 minutes, tout est replacé. Et voilà. Et puis bien sûr, j'ai ajouté mon assiette pour avoir de quoi manger tranquillement au bord de l'eau.
et vous voyez, hop, je referme, ça rentre hyper simplement et votre sac est directement prêt. Vous pouvez partir au bord de l'eau et c'est parti. Alors le dernier sac que je vais vous présenter, c'est celui-là, c'est le Cariol, donc le modèle large. Il en existe de différentes tailles, bien évidemment, et celui-là il est particulier puisqu'en fait il sera pas pour moi, il sera pour vous, ok? Donc il sera à gagner sur Instagram, je vais vous dire ça ultérieurement. Et donc ce Cariol, il est vraiment super bien conçu. Alors il est sur une base classique de Cariol, mais toujours avec le même système que pour le rucksack, c'est-à-dire que vous retrouvez tous les renforts, tous les tissus qui sont renforcés. Vous avez vraiment une place de dingue à l'intérieur sur la partie intérieure du sac. Et puis ce que j'adore sur ce Cariol, c'est les grosses poches que vous avez sur les côtés et sur le devant. Donc vous avez quatre grandes poches. Et ce que j'aime justement avec ces quatre poches, c'est que vous pouvez aussi bien les utiliser comme j'ai pu le faire pour le rucksack, c'est-à-dire mettre un petit peu tout ce que vous voulez dedans. Ou alors, si jamais vous disposez des boîtes compactes de chez Corda qui sont sorties il y a quelques temps, vous pouvez les mettre dedans. C'est parfaitement adapté à la taille de ces boîtes-là. Et puis derrière, vous retrouvez également une petite poche zippée. Voilà, avec encore une bonne contenance. Vous pouvez y remettre ce que vous voulez. Ça se referme pareil. Très très simple, voilà. Et vous avez votre Cariol pareil avec vos poignées de portage, comme je vous l'ai précisé, sur l'ensemble de la bagagerie, aussi bien sur le rucksack que sur le Cariol que sur le sac isotherme, la même chose, toujours vous avez vos petites poignées de portage. Donc pour finir sur cette petite présentation, j'espère que ça vous aide un petit peu à voir les possibilités qu'offre ce type de bagagerie, un petit peu la contenance, la qualité du produit, et puis on voit que c'est vraiment un produit qui est très bien fini. On retrouve un petit peu la touche Corda avec toujours les petits logos qui sont bien positionnés. C'est un travail propre, on voit que les coutures sont parfaitement faites, c'est du très solide. Ensuite, pour ce qui est de la couleur, je trouve que le mix marron, kaki et les contours noirs, je trouve que ça rend vraiment super beau. Ce qui est sûr, c'est que je ne regrette pas du tout d'avoir fait l'acquisition de ces trois produits. C'est clair et net que ces deux produits, ils vont me suivre au bord de l'eau dans ma prochaine session, dans pas longtemps, c'est sûr. Et je pense pour les sessions à venir. Et puis celui-là, eh ben, j'espère que je vais faire un heureux avec ce petit Cariol large. Je pense que celui qui va gagner ça, il sera bien content. Donc ce Cariol, il sera gagné sur Instagram. Je vais faire un post d'ici quelques semaines. Vous verrez, ça sera très simple. Il suffira de liker le post et de taguer trois de vos amis. Et ensuite, je ferai un tirage au sort en direct. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Et ensuite, je vous l'enverrai par la poste avec un petit mot. Deux, trois petits autocollants loup pescado fishing